On est de retour à CRFRH 88.1 et 106.7 avec notre invité, Marco Vingendaer, sur la French Indian War. Continue, Marco, là-dessus. Merci bien. Alors, donc, on est maintenant en 1755. Et cette année-là, ben, l'Alliance franco-amérindienne va tout balayer sur son passage. Donc, on se transporte dans la vallée de l'Ohio. Donc, la position continentale des Britanniques, elle est très fragile. Le général donc Braddock, qui a toutes les misères du monde, a organisé une première expédition de quelques 2000 hommes là, contre le fort du Kane. Donc, il va tenter de traverser les montagnes Allegheny. Et l'absence d'alliés amérindiens, finalement, qui connaissaient bien les exigences du terrain, va compliquer la tâche pour les Anglais. Mais quand même, malgré tout, ils vont réussir à avancer. Et donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, ben, à un certain point, ils se retrouvent en territoire revendiqué par la France. Et là, les Canadiens et les Français vont tenter de les repousser avec des petites attaques qui vont avoir peu d'effet. Et les Britanniques vont continuer d'avancer, puis ils vont se rendre jusqu'à une trentaine de kilomètres du fort français. Donc là, aux yeux de la petite garnison franco-canadienne, ben, la situation commençait à être vraiment désespérée, parce qu'au niveau du nombre, il y avait une forte supériorité du côté britannique, mais les hommes étaient résolus à tenir bon. Donc, Contrecœur va décider d'ordonner une offensive qui va être dirigée contre l'ennemi qui avance. Par contre, devant une opération aussi risquée, puis voire désespérée, les alliés amérindiens vont décliner l'invitation de se joindre à l'attaque. Et c'est alors que le capitaine canadien Daniel de Beaujeu, qui avait été choisi pour mener l'attaque, va mettre au défi le sens d'honneur de ses alliés en s'avançant là, avec 108 soldats réguliers, 146 miliciens. Et il va déclarer qu'accompagné ou non de guerriers amérindiens, ben, il était résolu à aller confronter l'ennemi qui approche. Il a voulu fouetter l'orgueil des Amérindiens. Et là, cet appel à la bravoure va les fouetter comme c'était souhaité. Et donc, les alliés amérindiens vont être plus de 600 à se lever puis à se lancer dans la bataille donc pour repousser l'ennemi qui avance. Donc, c'est le 9 juillet 1755. Donc, à proximité de la rivière Monongahela, là où se trouvait le fort du Kane, les combattants de l'Alliance vont donc confronter les Britanniques. Là, et au cours de cette bataille-là, qui est aujourd'hui connue sous le nom de la bataille de la Monongahela, ils vont anéantir l'armée de Braddock, dont la taille était plus du double que la leur. Donc, ils se sont approchés, ils se sont déployés des deux côtés des colonnes britanniques. Au milieu des arbres, ils se déplaçaient furtivement. Et là, ils ont provoqué la confusion dans le camp ennemi ça les a empêchés d'être capables de localiser donc, les Canadiens, les Amérindiens et aussi d'identifier leur nombre. Donc, ils étaient vraiment, disons, dans le brouillard et donc invisibles sous les feuilles, la fumée aussi qui accompagnait les coups de feu. Bien, l'Alliance a tiré avec grande précision. Ça a forcé les Britanniques à se resserrer. Bien, ça en a fait des cibles faciles. Puis à la vue du massacre de leurs confrères, finalement, les survivants vont décamper à nouveau à l'est des montagnes Allegheny. Donc, Grosjean comme devant, ça a été vraiment une défaite amère pour les Britanniques. Et encore une fois, là, les soldats britanniques, les miliciens anglo-américains démontraient qu'ils n'étaient pas de taille dans ce type de guerre en forêt. C'est environ 900 personnes qui vont perdre la vie ou être blessées, dont Braddock lui-même. Qui va aussi oublier un journal avec de l'information stratégique très, très importante. Les Canadiens vont saisir des wagons de ravitaillement, une centaine de chevaux, des vaches qui ont été abandonnées sur place. Et du côté donc franco-canadien de l'Alliance, on parle, là, le coût de l'affrontement aurait été de 23 morts et 20 blessés. Donc, on voit un écrasement. Là. Ils ont été vraiment écrasés par l'Alliance. Alors, si on se transpose ensuite du côté du lac Champlain, les forces coloniales avaient commencé à se concentrer à la proximité du fort Saint-Frédéric, là, donc au sud du lac Champlain. Et bien au fait des déplacements de l'ennemi, les Canadiens vont déplacer finalement des troupes pour aller à la rencontre des Anglais qui se déplaçaient. Et le 8 septembre 1755, là, il y a une journée d'escarmouche confuse qui va prendre place et l'affrontement ne va faire aucun gagnant. Les forces franco-canadiennes vont se retirer en laissant leurs ennemis là,
aux mains des Britanniques, dont le commandant Diesco, qui certainement était très, très contrarié. Alors, dans les semaines qui vont suivre, les Britanniques vont construire le fort William Henry au sud du lac George. Et de leur côté, les Français, entre le lac George et le lac Champlain, ils vont construire le fort Carillon, aussi connu sous le nom là, de Ticonderoga. Et c'est là d'ailleurs où en 1609, le Champlain avait livré bataille aux Mohawks pour la première fois avec ses alliés Innu, Algonquins et Wendat. Donc, les positionnements se consolident là, au niveau de l'axe du lac Champlain. Et devant le déclenchement là, des hostilités des Britanniques avec des attaques en bonne et due forme, le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, le Canadien Pierre-François de Rigaud de Vaudreuil, qui était en fait le fils de l'ancien gouverneur général Louis-Philippe, décide là, qu'il est temps d'attaquer et de répliquer avec tous les moyens à sa disposition. Donc, il va décider d'employer des troupes régulières envoyées de France pour sécuriser les zones d'approche, les zones centrales de la colonie. Et les réguliers coloniaux, les troupes de la marine, la milice et les guerriers amérindiens allaient servir pour conduire des raids dans les zones frontalières, cette bonne vieille stratégie qui leur a très bien servi. Donc, de cette façon-là, on obligeait là, les forces anglaises là, à se concentrer là, pour défendre leurs établissements frontaliers. Et encore une fois, cette stratégie-là va connaître un succès assez éclatant, alors que les Premières Nations vont se lancer, vont se ruer dans ce genre d'assaut-là, parce que pour eux, disons, l'occasion était belle. Alors, à l'automne 1755, ça va être une période d'horreur pour les pionniers britanniques à la frontière, sur toute la longueur des montagnes Allegheny, de la Caroline du Sud jusqu'à New York, et ce, là, jusqu'à moins de 45 km de Philadelphie. Les établissements anglais vont être rasés, brûlés. Des raids en provenance du fort Duquesne vont se rendre aussi loin que la côte atlantique. Donc, c'est assez spectaculaire comme type d'incursion. Et partout, les lignes de défense anglaises étaient incapables de protéger leur ville, leur village, des offensives là, qui se matérialisaient soudainement pour ensuite disparaître aussi vite derrière les arbres de la forêt. Donc, devant la force déployée par l'Alliance franco-amérindienne, les colons anglais étaient absolument impuissants. Leur seul recours, c'était de demander de l'aide aux autorités coloniales ou à Londres. Et ce n'était pas possible d'en recevoir. Donc, les survivants ont dû fuir vers la côte atlantique pour trouver refuge, protection. Et donc, devant ces attaques, là, la situation était tellement désespérée dans le camp britannique que, selon l'historien Eccles, il y a une rumeur qui parvint à Québec là, en octobre 1757 que le gouverneur de la Pennsylvanie est en négociation avec les Amérindiens pour leur offrir un passage sans opposition qui visait à attaquer la Virginie, en autant que les établissements de la Pennsylvanie soient épargnés. Donc, quand on parle de solidarité entre les colonies, il y avait certainement des trous qui laissaient place justement à une vulnérabilité de la sorte. Alors, encore une fois, les colons anglais qui étaient plus familiers avec la hache et la charrue qu'avec un mousquet puis un canot, bien, étaient simplement pas de taille devant les guerriers canadiens et amérindiens. Donc, on va poursuivre dans le temps. En 1756-1757, l'hégémonie franco-canadienne ou franco-amérindienne va se poursuivre. Donc, en 1756, la confiance dans le camp français est à son apogée. Loin de pleurer la perte de Diesco, lors de la bataille du lac George, Vaudreuil, au contraire, croit que les réguliers ou les officiers français n'étaient pas adaptés au pays pour faire la guerre. Et donc, il va demander à la couronne française d'agir à la fois comme gouverneur général et commandant en chef des forces armées. Et malheureusement pour Vaudreuil et les Canadiens, selon le roi Louis XV, c'était seulement qu'un officier supérieur qui pouvait prendre les commandes de son armée impériale. Alors, durant les mois d'hiver qui vont suivre, là, 1756-57, aucun des officiers généraux français d'envergure ou d'expérience vont se porter volontaire pour le poste. Et ils préféraient donc les promesses de gloire des champs de bataille européens plutôt qu'un, mettons, le théâtre d'une lointaine colonie de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Donc, finalement, le roi va devoir se rabattre sur un choix plus obscur qu'on connaît tous, donc Louis-Joseph, marquis de Montcalm, un membre de la petite noblesse française, un parcours peu glorieux, disons. Donc, Montcalm était placé sous l'autorité de Vaudreuil, à l'exception de la discipline et de la disposition stratégique des troupes de la colonie. Donc, il y avait un petit peu d'ambiguïté quant au rôle de l'un et de l'autre. Et donc, il va quitter la France le 3 avril 1756 à la tête d'un renfort là, de quelques 1 200 soldats réguliers. Il va être accompagné de son aide de camp Louis-Antoine de Bougainville
Et le second aux commandes, là, le chevalier de Lévis, François Gaston, chevalier de Lévis, qu'on va revoir plus tard, et un personnage très, très intéressant. Donc, en février 1756, au sud du lac Ontario, Vaudreuil va dépêcher quelques 360 Canadiens et Amérindiens pour aller harceler l'ennemi et nuire aux communications entre le fort Shawangan et la ville de Schenectady dans l'État de New York. Et le succès va être complet au cours d'un assaut. Les forces canado-amérindiennes vont s'emparer du fort Bull qui donnait sur le lac Oneida et vont le détruire. Et en juillet 1756, on va décider de détruire le fort Oswego qui est sur la rive sud du lac Ontario. Donc, après un court bombardement et une incursion des Canadiens et des Amérindiens, la garnison britannique va se rendre. On va faire quelques 1 700 prisonniers. On va s'emparer de plusieurs vaisseaux armés, des canons, des munitions, provisions et de toute autre sorte. Et donc, au grand dam là, des Anglais, le contrôle du lac Ontario passait complètement entre les mains des Français. Donc, cette victoire va inciter aussi les Iroquois à pencher davantage vers les intérêts français, parce que là, on voit que les Français ont le momentum et en fait, c'est pratiquement hégémonique. Donc, de son côté, Montcalm va décider de laisser derrière lui des garnisons au fort Niagara, au fort Frontenac, et va déplacer le restant de ses troupes au fort Carillon sur le lac Champlain. Là, on est en 1757, et donc cette année-là va être encore pire pour les Britanniques. Le fort Carillon, qui était plutôt mal situé, va quand même servir de base pour des opérations offensive là, des troupes franco-canadiennes. Et là, encore une fois, les établissements frontaliers anglo-américains vont être ravagés. Au début de l'été 1757, la couronne française va aussi réussir à envoyer un convoi là, de 3 500 Français à Québec pour garnir les troupes. Et donc, Montcalm, le mois suivant, va rassembler à Carillon 6 200 de ses troupes. Et plus de 1 800 Amérindiens. Et donc, le but, c'est d'aller marcher contre le fort William Henry, qui est à l'extrémité sud du lac George, puis ensuite de raser le fort Edward, qui est à quelques milles, un petit peu plus au sud. Et fait à noter, là, c'est inspiré du récit historique de cette bataille-là qu'a été écrit le roman américain Le Dernier des Mohicans, dont plusieurs films ont été adaptés. Les Français, Canadiens vont faire construire une route, des tranchées, des emplacements pour les canons. Et le 9 août, à bout de ressources, là, la garnison britannique va capituler et on va en arriver à un arrangement. Les Français, notamment, vont accepter d'escorter la garnison jusqu'au fort Edward pour protéger les guerriers amérindiens, les protéger des guerriers amérindiens. Donc, au moment où la garnison déchue va se diriger vers le fort, c'est là où va se produire la célèbre attaque par les alliés amérindiens qui voyaient pour eux aucune raison d'obéir à des lois de guerre européennes dans leur propre pays. Alors, un certain nombre de ces soldats-là vont être tués, quelques 500-600 autres vont être amenés de force au camp de guerre amérindien. Et du côté anglais, le moral était au plus bas. En vertu de cette guerre, de cette bataille-là, le fort Edward était à un jour de marche seulement. Et à New York, on était au bord de la panique, carrément. On attendait d'une heure à l'autre la nouvelle que les Français s'étaient emparés non seulement du fort Edward, mais aussi d'Albany. Donc, c'était vraiment, la porte était ouverte pour les Français. Mais curieusement, Montcalm va refuser d'aller plus loin dans sa mission. Il a prétendu que la route pour se rendre à Albany est en trop mauvais état pour l'artillerie lourde et tout. Et donc, il va rebrousser chemin. Puis cette décision-là va vraiment provoquer la colère de Vaudreuil et de plusieurs Canadiens, parce que ces raisons-là semblaient très peu fondées et l'occasion était belle d'aller détruire le fort Edward, puis de faire repousser, disons, la frontière française plus au sud. Et donc, à la fin de l'année 1757, par contre, les positions françaises étaient vraiment plus solides que jamais. La frontière britannique avait été repoussée au sud du lac George. À l'est des montagnes Allegheny, le lac Ontario était complètement retombé en contrôle ou sous le contrôle français. Et l'Alliance franco-amérindienne menait une guerre impitoyable contre leurs ennemis sur toute la longueur des zones frontalières anglaises avec des succès qui étaient renversants. Donc, dans le camp adverse, c'était le goût amer de défaites successives, les cris de misère et de rage, la peur que la situation ne dégénère davantage. Et de plus en plus, les voix s'élevaient pour plaider en faveur d'un accord de paix avec les Français.
Et même avant que le mot de la victoire française sur le lac George, donc le fort William Henry, ne se rende en France, déjà on écrivait en provenance de Versailles, les nouvelles que nous recevons d'Amérique par la Hollande et l'Angleterre sont tellement à notre avantage que nous n'osons toujours pas y croire. Si cela était vrai, les Anglais n'auraient aucun recours autre que celui de faire la paix rapidement afin de conserver une partie de leur colonie. Donc, il y avait une confiance qui était à son apogée. Et à Londres, l'homme politique et l'écrivain Lord plutôt Chesterfield, qui était complètement découragé, lui, il va écrire de son côté: Cet hiver doit produire une paix d'une façon ou d'une autre. Une mauvaise pour nous, il n'y a pas de doute. Et néanmoins, une meilleure que celle que nous obtiendrions l'année suivante. Alors, en Nouvelle-France, la jubilation et disons, le doux parfum de victoire se faisait de plus en plus sentir. Et aujourd'hui, ben, on sait que le vent a fini par tourner puis que le Canada a capitulé devant l'Empire britannique. Par contre, compte tenu d'une population anglo-américaine de 1,5 million, à peu près 25 fois supérieure à celle de la Nouvelle-France, qui comptait entre 60 et 70 000 âmes, ben, il apparaît facile de présumer que cette conclusion-là était inévitable. Par contre, si c'était le cas, ben, on peut se demander pourquoi les Canadiens ont offert une résistance aussi acharnée jusqu'au bout. Et ben, dans les faits, ils s'attendaient au moins à maintenir leur position jusqu'à ce qu'en Europe, il y ait une paix qui soit conclue et que les Britanniques, donc en Amérique du Nord, soient obligés de se désister. Donc, il y avait vraiment une confiance qui était là et ça nous permet de comprendre pourquoi justement les Canadiens se sont battus jusqu'au bout pour défendre leur pays. Donc, dans le prochain épisode, on va voir comment et surtout pourquoi les choses ont pris la trajectoire de la capitulation du Canada en 1760, cette capitulation qu'on connaît aujourd'hui. Et on va aussi voir comment la célèbre bataille des plaines d'Abraham est loin d'être la seule chose à savoir de cette guerre-là et surtout la fin de l'histoire. Et on va pouvoir découvrir ensemble que le fond, finalement, de cette histoire-là est plutôt troublant. Donc, on va comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui a mené justement à la conquête britannique. Donc, c'est à suivre dans un prochain épisode. Donc, la partie 2 de la French and Indian War, à l'intérieur du livre Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Donc, c'est tout ce que je vous ai partagé là, évidemment, c'est dans le livre. Et bien sûr, on a la chance d'aller beaucoup plus dans le détail et de sentir encore plus le fond de l'histoire à même le livre. Alors, je vous encourage à aller le télécharger. Et aussi, pour votre information, une version papier va suivre cet automne. Donc, sous les éditions La Métisse. Alors, ça va venir dans les prochains mois. Restez à l'affût. Marco, peux-tu nous expliquer, est-ce que les Français, les Canadiens et les Amérindiens étaient mieux organisés que les Anglais ou que c'était. Oui, ben en fait, dans les premières années de la guerre, la French and Indian War, puis les trois guerres impériales précédentes, donc la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697, la guerre de la Ligue ou plutôt de la succession du trône d'Espagne de 1702 à 1713, et donc celle d'Autriche, c'était vraiment une différence de capacité assez marquante. Les Canadiens, donc, avaient appris à faire la guerre à l'amérindienne, avait appris à composer avec les défis du territoire nord-américain, ce que les Anglais n'avaient pas développé comme aptitude. Ils étaient donc dans un autre mode de vie, dans une agriculture intensive, une occupation intensive. On refoulait la forêt, on refoulait les Premières Nations au fur et à mesure que la civilisation avançait. Donc, ils n'avaient vraiment pas eu le même type de formation. Donc, en terrain sauvage, en forêt, en montagne et dans les cours d'eau du continent, ils n'avaient pas du tout les mêmes maîtrises, la même capacité, disons, de se déplacer, de bien organiser leur truc. Donc, ça va prendre plus de temps du côté britannique avant d'être capable de vraiment apprendre les bonnes leçons pour ensuite offrir une opposition digne de ce nom aux Canadiens. Ils vont devoir apprendre de leurs erreurs. Mais durant toute cette période-là, donc les Canadiens avaient été beaucoup plus efficaces dans la capacité de défendre leur pays et de refouler les Britanniques. Ouais. Ça, c'est à cause des liens familiaux qu'il y avait avec les Premières Nations aussi. Il y avait des liens qui sont faits familiaux et, on va dire, de culture que ça affecte. C'est pour ça, peut-être aussi, hein?
Oui, ben c'est ça, toute cette proximité-là avec les Premières Nations, tu sais, la traite des fourrures, les coureurs de bois, qui étaient aussi souvent des habitants, donc c'était souvent la même personne. Ben, c'était tous des gens, des hommes et des femmes aussi, qui avaient appris justement à manœuvrer, à composer avec le territoire nord-américain. Donc, c'est de par les Amérindiens qu'on a appris les voies de la guerre. Comme j'ai parlé plus tôt dans un épisode, plutôt être frère plutôt sur les champs de bataille, c'est un facteur, un vecteur de métissage extrêmement puissant. Et c'est vraiment des Amérindiens domiciliés, des Premières Nations, des Grands Lacs, que les Canadiens ont appris à faire la guerre. Donc, la différence entre la manière européenne, qui était à champ ouvert, qui était une bataille ou des armées très hiérarchisées, c'était des ordres qui étaient donnés un peu comme des jeux d'échecs, là, où seuls les dirigeants ou les officiels plutôt, avaient droit de parole finalement. Du côté de la guerre de guérilla, c'était une guerre qui était adaptée pour l'Amérique, pour la forêt. Et dans ce cadre-là, ben c'est ça. Les Britanniques n'avaient pas du tout les capacités, les reins ou les connaissances et les expertises, disons, pour être capables de rivaliser. Quand on parle de la vallée Ohio, ça, c'était déjà découvert par les Français, par les Canadiens. Il y avait déjà des Canadiens qui étaient là avant ça, avant cette guerre-là. Ouais, ben c'est ça. Il y avait la traite des fourrures, tu sais, qui avait permis, disons, aux Canadiens, aux Français de se déployer sur le territoire. Par contre, il n'y avait pas de présence française militaire dans cette région-là. Donc, il y avait une sorte de rivalité, particulièrement durant la période de paix, là, entre 1713 et 1743. Il y avait une rivalité qui se passait, qui n'était pas nécessairement violente de la même manière que durant les périodes de guerre, mais il y avait une rivalité entre les marchands canadiens, français et les marchands anglo-américains. Donc, on se disputait un peu les clients qui étaient les Premières Nations. Mais de manière générale, effectivement, les Canadiens avaient eu le temps de venir occuper, de venir explorer ces régions-là. C'est vraiment en vertu d'une présence militaire que là, le ton a changé, disons, et c'est devenu une frontière militaire à partir là, de 1754, disons. Bon, je te remercie beaucoup pour avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. On va se revoir pour une autre émission sur la deuxième partie de French Indian War. C'est quand que tu penses que tu vas faire ça? Bien, on va la faire dans une prochaine émission. Ça va Bon. me faire grand plaisir. On va pouvoir compléter le portrait pour ce chapitre très, très important de la Nouvelle-France. OK, je te remercie beaucoup encore. Bonne journée. Merci.